Eh bien bonsoir à tous chers amis, salut Edith, comment allez-vous? Moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Pilo sur SimCity, salut Pilo. Hey, salut. Salut, et donc voilà aujourd'hui nouvel épisode sur notre nouvelle région. Donc voilà, on avance plutôt bien. Pour ma part j'ai fait ma petite deuxième ville déjà, ça commence à s'agrandir un petit peu. Donc c'est plutôt cool. Et ben moi, ma ville parc d'attractions casino commence à bien fonctionner, j'ai l'impression. Bon bah tant mieux. Ça va se faire tout doucement, voilà. D'accord, bah écoute, tant mieux alors. Voilà. Et puis je vais te tuer petit à petit, parce que je vais te prendre toutes tes parts de marché. D'accord, bah écoute, c'est ce qu'on va voir alors, c'est une guerre, tu as déclaré la guerre. Ah ouais, c'est la guerre. Super, on a trouvé le titre de la vidéo. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est ça. C'est la guerre. It's over. It's a war. Alors, c'est tu là, vois... c'est là, oui. Non, vas-y, je te laisse dans ton petit délire. Non, parce que moi, je pars trop loin. Non, je continue. Tu vois, par exemple, que tu fais là justement la spécialité jeu, justement dans la ville, c'est avec tous les établissements de jeu. Je pensais pas que le revenu se calculait directement dans ton budget, en fait, tu vois. Parce que, je prends un exemple, quand tu fais par exemple une ville commerce ou autre avec des entrepôts, si tu veux, ça se calcule pas directement dans ton budget, tu vois. C'est vraiment à part, c'est un revenu à part entière, quoi. Et du coup, excuse-moi, je pense que... mais de quoi tu parles? Tu vois les revenus des casinos? Oui. Les revenus et les dépenses. On est bien d'accord, tu as la spécialisation de la ville. T'as une case spécialisation. Ah oui, c'est ça, voilà. Oui. Et du coup, justement, on n'a pas de... avec... quand tu fais une ville commerce, par exemple, tu n'as pas justement cette case-là, quoi. C'est exact. Enfin, disons que ça revient presque au même, mais c'est juste que c'est... c'est à part entière, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. C'est juste ce que je voulais dire. D'accord. Eh ben, on te remercie pour ton intervention. Allez, je serai en tournée à Brest le 27. Mais quelque part, on s'en fout. Voilà, c'est dit. non, mais tu. Hey, franchement, t'es maso de rester avec moi. Hein. Je sais bien. Non, mais bon, c'est juste parce que vu que tu me files le petit chèque de 60% à chaque fois, c'est pour ça. Quoi. Bien sûr. C'est pour ça, mec. Hein. Sinon. C'est vrai que je gagne des 1000 et des 100 en ce moment. Ouais. C'est clair. Heureusement que je vais plus gagner 4 cartes Steam. Hein, ah ouais, c'est clair. Parce que là, bah, Pilo a fini à la rue, hein, c'est terminé. Hein. Ah non, c'est pas possible, les gars. Faut, on se calme. Hein. Oh là là, je te dis pas. Mon dieu. Mais écoute, moi, ma ville elle marche bien. Je suis à plus de 7000 par heure, donc c'est plutôt cool. Ville commerce? Non, ville jeu. Non, la ville de commerce, elle est en catastrophe. Je suis à moins 7000 par heure, c'est une catastrophe, faut que je remédie à tout ça. Et là, moi. Ça commence à être rentable, ça. Non, toujours pas. Ça, c'est rentable, ça, ce sera bientôt. Ça va peut-être ouvrir, je sais pas quand. Je sais pas quand est-ce que ça va ouvrir. On va rajouter des attractions. Non, on va pas rajouter des attractions, il faut qu'on rajoute. Oui, il faut qu'il puisse y avoir du transport. C'est une très bonne idée, ça, Moret. Très très bonne idée. Par contre, je te place où? Ça, c'est la question. Je ne sais pas où est-ce que je vais te placer. Je peux te placer là, mais ça va détruire des usines. J'ai pas envie de détruire des usines parce que j'en ai pas beaucoup. Donc, on va éviter de faire ça. Je sais pas où je vais la placer. T'as déjà posé une gare routière? Une gare routière. Non, moi, c'est juste un dépôt de navette, c'est tout. Oui, non, je te parle pas, c'est pas une gare routière, c'est oui, je sais bien. Oui, gare routière, oui. Je sais pas où je vais la passer. Je sais pas du tout où je vais la mettre. Parce que là, du coup, j'ai pas de voyageurs. Là, ça va bloquer là. Allez, on part là-dessus. Mec, je suis à plus 7000. Oulala. Là là. Je vais te dépasser. C'est un concours, tu sais. Ah là, c'est le concours, ouais. Hop, j'en fais un prêt. Moi, je fais des prêts, je m'en fous. Ça, c'est une ville qui va marcher, c'est moi qui te le dis. Vu qu'il n'y a pas de centrale nucléaire dans celle-là, ça devrait le faire. Ça devrait marcher. Pas d'explosion ce coup-ci. Non, c'est bon, j'ai eu ma dose. Je comprends. Je l'ai toujours à travers de la gorge, celle-là. En plus, je vais voir sur des forums et tout le monde me dit oui, ça met des années dans le jeu avant que ça y ait plus de radioactivité. Je dis quoi? Ouais, bah c'est bon quoi, laisse tomber. Je dis ouais, c'est bon, attendez, j'ai niqué ma game quoi. C'est ça.
Ah, j'étais tellement dégoûté, quoi. Oh, bah, y'en a quatre. Oh là 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 là, j'étais mort. Je m'en souviens, je l'avais vert. Mais toi, tu te foutais de ma gueule. Vous avez envie de t'exploser. Non, je te trouvais dans la vie. Je te jure, je te tuais. Je venais, je te butais. C'était bien marrant, quand même. Ouais, ouais, c'est ça. C'était marrant pour personne. Sauf pour toi, peut-être. C'est ça. Ok. Tac. Tac. Oh, j'ai plus de fric. Allez, quoi, dépêche-toi. Ça coûte bien, ça. 5000 ! 5000 ! Mais genre ! Mais c'est de l'arnaque ! Il me faut plus de monde là-dedans. On va faire un truc. On va mettre genre tout ici. On va mettre tout autour comme ça. Tac, tac, tac et tac. Ok. Ok, alors ce que je vais faire, c'est que je vais m'envoyer de l'argent sur cette ville-là, parce qu'autrement, je vais jamais avancer. On va charger méga. Oh. Ah, j'ai des gens qui m'ont trouvé des jeux de mots. Des jeux de mots. Pour les villes. Ah, nickel. Je sais plus où je les ai notés, mais ils m'ont trouvé des jeux de mots. Très marrant. En commentaire, j'étais mort de rire. J'ai lu les commentaires, j'étais mort de rire. Je vois les jeux de mots, mais c'est quoi ça? Ah, je te jure. Mais il est fou, quoi. Donc ici... Je vais m'envoyer une petite... Pas de connexion, arrive, je vais essayer une autre ville. Ah, je ne peux pas m'envoyer... D'accord. Comment on va faire alors, si je peux pas m'en envoyer? Ici, je peux m'en envoyer... Comment je vais faire? Il faut peut-être un avion. C'est ça qu'il me faut, un avion. Il me faut une connexion via avion. Comment je vais faire? Parce que là, je vais pas tout détruire non plus. Il me faut un aéroport. Et un aéroport. L'aéroport. Où est-ce que je vais mettre l'aéroport? Ah bah, je vais le mettre là, parce que j'ai tout cassé. J'espère que vous entendez pas mon chien aboyer. Non, je crois pas qu'on entende. Oh là là, celui-là, ça fait longtemps que j'aurais dû le... Hop, j'augmente bien les impôts, c'est nickel. Voilà, nickel. Ça fait long. Pourquoi ça veut pas se placer? Excuse-moi, les impôts, tu vas répéter 20 fois, je sais très bien. Les impôts, c'est 11, 11, 10 ou c'est 11, 10, 10? Pardon? C'est pas grave. Les impôts, le pourcentage, tu mets combien à chaque fois? C'est 11, 11... Alors... 11, 11, 10! Merci. Du coup, je suis à plus 10 000 par heure, c'est bien ça? Oui, bah voilà. Je sais pas où je vais pouvoir le placer. Peut-être par là. Je sais pas où je vais pouvoir le placer. Bon bah c'est bien, ça c'est toute la richesse. Je ne sais pas où je vais le placer. Parce que ici je peux pas le placer. Là ça va pas passer non plus. Où est-ce que je peux me placer? Mince alors! Ah, ça m'énerve. Si je le place là. Je suis en train de détruire ma mégapole là, façon de parler. Mais bordel! Il pète un câble, c'est. Il veut pas se placer le truc, ça m'énerve. Tu vas. Oh, je suis en train de détruire toute ma ville. Ah, pour pouvoir placer un tout petit trou de. Calme-toi, respire. Ça, c'était là. Voilà, on va replacer ça. Voilà, ok. Comment je vais faire? Je sais pas comment je vais faire, en fait. Si, ça pourrait passer là, mais il faut que je détruise tout ce truc. Ouais, on va faire ça. Je vais tout détruire.
Hop, en plus ça va faire gagner, ça va faire faire des économies, c'est une bonne chose. Et là, il faudrait que je casse tout ça aussi. Tac. Je sais pas comment t'avances, toi. Je vais aller vite fait te voir après. Écoute, moi, ça va. Ça va plutôt nickel. Parce que j'ai peur hein, que tu fasses des bêtises. Mais non, ça va nickel. Et tu seras puni si tu as fait des bêtises. Tu seras non, privé ouais. de dessert. Je serai privé de dessert, alors. Bon, bah, c'est tout. Non, franchement, ça avance nickel, moi. C'est cool, c'est cool. Ok. Il y a intérêt avec ça, avance nickel. Tu me connais pas, moi. Tu sais pas comment je suis. Et te faire courir, le rouquin, là-bas. Faut bien qu'on rigole. Je pensais pas que t'en serais capable. Tu dépasses l'entendement. Non, c'est pour déconner. Et te faire courir, espèce de... Et te faire courir, le requin, là-bas. Là. Hein? Pédé. Ah, ça me rajeunit. JMLP. Oui, j'avais vu ça. Oh, mais j'étais là, mais... Oh là là, mais mec. Mais non, mais... Ah, arrêtez vos conneries. C'est pas... On en dira pas plus. C'est... Ah non, mais là... Là, 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 c'est bon, tu m'as choqué. Oh, t'inquiète pas. Oh, j'en ai choqué des pires, hein. Ah, oh. Tu m'as pas vu à... Tu m'as pas vu à... Tu m'as pas vu, merde, Dieu. Ah, tu m'as pas vu en boîte, hein. C'est pour que je suis... Eh, on a pas enlevé les couches ensemble, eh. Un vrai compagnard, hein. Ah, tu m'as pas vu avec les meufs, hein. Moi, ça y va. Quoi? J'ai rien compris. J'ai dit... Tu m'as pas vu avec les meufs, moi, ça y va. Moi, ça y va, hein. Oh, moi, ça y pote, hein. Ouais. Voilà. J'espère que toi aussi, Pilo, du coup. Ouais, on va dire ça. On va dire ça. Ouais. Alors, par contre, est-ce que tu t'actives? Ça, c'est fait. Il s'est activé. Grâce à travailleur de proximité. Ok. Maintenant, on va charger cette ville-là. Ok. It's so good. It was very, very good. It's a very good thing. Alors attends, deux petites secondes, vas-y, meuble un petit peu. Ouais, vas-y, y'a pas de soucis. Je peux meubler, y'a pas de problème. Histoire que mon pilote doive aller à FK, c'est pas grave. En fait, j'étais pas FK, en fait, j'étais juste en train de regarder par la fenêtre. Parce que j'ai eu peur, j'ai vu quelqu'un. Ah. Et du coup, moi qui suis peureux... C'est quelqu'un qui vient te cambrioler, c'est pour ça. J'ai appelé directement la police. Ah, direct, d'accord. Voilà. Ok, ok. C'était très drôle. J'ai un humour pitoyable. Pitoyable. Mais dis-le, mais dis-le, tu peux le dire. Hein. Non, moi j'aime bien mon pilo. Moi je t'aime bien. Pas moi. C'est bien comme ça, ça a bien grésillé et tout, c'est nickel ça. ça fait un truc dégueulasse. Un petit peu. Ça fait quoi? Ça fait... C'est ça. Non, c'est bien. Casino coquet. Casino coquet. Oh, tu es coquet, vilain garde-moi. C'est très bizarre ce que... Voilà, ok. Bon, alors, oula, alerte rouge, alerte rouge. Qu'est-ce alerte rouge. Comment je vais faire? Qu'est-ce qui t'arrive? Les pompiers, au feu, les pompiers. Il y a ma ville qui brûle, au feu, mes pompiers, il y a la ville qui brûle. Quoi, non? J'ai peur. Ah, ça y est, je me fais spam. Non! Tu te fais spam. D'après toi, sur quoi? Sur Discord. Comment je me mets en ne pas déranger là-dessus, bordel? T'as en bas, je crois, c'est... tu cliques sur ton... Tu sais, à la base, c'était vert. T'as un petit bouton vert. Super. Pour dire que t'es en ligne, et normalement, tu fais en ligne. Voilà. Ou en ligne ou ne pas déranger. Alors, attends. Voilà. C'est bon. Ok, it's good. Ok. Donc. Bah, je dois attendre. Et c'est le feu.
ici. Oh là là, il y a toute la zone là. Oh là là, il y a tout qui a pris feu. Il y a tout qui a pris feu. Et tout qui a pris feu. Alors, il faudrait que j'installe justement une station de pompage. Pff, t'inquiète pas, hein, il y en a à tous les coins de rue. T'as compris, hein? À vous, t'as compris! C'était la blague beauf. Ouais. Mais bon, c'est marrant. Alors, t'as l'habitude d'aller à la station de pompage, la guide? Ah, je peux te dire, ça y va. Ah, ça y va! Alors, tous les dimanches, hein? Ah, après la vidéo de Pio, tous les dimanches soir, il va à la salle de pompage. Sale. J'avoue, c'est sale. Oh mon dieu. Bon allez, je vais te faire un petit tour dans ta ville. Vas-y, fais un petit tour. Parce que moi, les mines, elles se portent très bien. Enfin, elles se portent très bien, à part qu'il y a le feu, quoi. Mais autrement, ça se porte plutôt bien. Je vais voir un petit peu ce que tu fais. Et on arrive déjà bientôt à la fin de l'épisode. Déjà? Zut, hein. Ouais, t'as vu ça, hein. On est à 16 minutes, là. Hein. Je suis sûr. Waouh. Waouh. Attends, on est à combien, là? Waouh. Punaise. Qu'est-ce qu'il y a? Bah elle est vachement belle, ta ville. Ah oui, ça avance un petit peu. Moi je trouve que tu t'es v'là amélioré, hein. T'as vu ça? Sa force, c'est le jeu, ça. Ah ouais, ouais, non, mais c'est sans le jeu, déconner, ça. Je trouve que tu t'es v'là amélioré. C'est pour ça. C'est cool. En plus, du coup, là, j'ai mon truc jeu qui me rapporte un peu, donc c'est cool. C'est car... Moi, j'adore ta ville, hein. Ah bon? Abandonne-la, tu me la laisses. Non, jamais. Jamais, vous n'aurez... Jeanne, au secours! Jeanne, au secours! Jeanne, au secours! Jeanne, c'est toi? T'es plus celle que t'étais, n'est-ce pas? T'es plus celle que t'étais... Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu connais Ganesh 2 ou pas? Non, du tout. C'est un youtubeur justement qui parodie un petit peu plus ou moins des hommes politiques, notamment Jean-Marie Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, notamment Merluche. Et du coup, genre, des fois, il parodie un petit peu de tous les discours, entre guillemets, suite à ça, quoi, tu vois. Donc voilà, mais je trouve ça marrant. D'accord. Jeanne, c'est toi? Il s'en fout. Bah non, il s'en fout pas. J'adore du tout faire des vacheries comme ça. Ouais, non, mais moi, celui que j'adore regarder, c'est Canteloup. Avec Canteloup, ouais, il est bien. Oh là 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 là. C'est Jean-Jacques Bourdin. Ah là là là, il est excellent. Il est qu'est-ce énorme. Qu'il est excellent. Franchement, ouais. Mais il est excellent, il est excellent. Bonjour. Je suis d'accord avec vous. Oui, ah oui, avec Emmanuel Macron. Oh là là, il est bon. Mais il est bon, hein. Ah, franchement, il est énorme. Il est bon, hein. Et le pire, c'est que c'est sur tout le monde, tu vois, c'est ça qui me fait rire. Ah oui, mais même lui, des fois, il se trash, hein. C'est ça, ah, ouais. C'est ça le plus drôle. Il trash tout le monde, tout le monde. Et c'est ça, moi j'adore. Franchement, je kiffe grave. Ce mec, c'est un dieu. Quoi. C'est clair. Je te jure, c'est un dieu, ce mec. Je sais pas comment... Mais c'est un dieu. Voilà. C'est ça. Ah, il est excellent, excellent. Non, franchement, il est cool. C'est vrai. Il y a qui d'autre qui imite bien? Moi, que j'adore aussi, c'est Super Flame. Je connais pas ça. Oh, tu connais pas Super Flame? Ah, je prononce peut-être mal. Je ne connais pas. Super, ah, c'est Super Flamme, mais ça se prononce, je crois que c'est super. Je sais pas du tout. Oui, c'est Super Flamme. D'accord. C'est un youtubeur qui parodie, mais mon dieu, qui parodie bien. Ah ouais? Il parodie des voix, mais tu te dis, mais comment il fait? Je te jure, hein, je te jure, c'est, ce mec, c'est, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Et tu vois, moi, ce qui m'énerve, c'est que des talents comme ça soient pas assez mis en avant, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et ça, moi, je me dis, mais merde, les gens comme ça qui ont un talent, mais... De fou, ouais, c'est clair. Le mec, il te fait Jean-Marie Le Pen, mais comme jamais, quoi. Ouais. Ou alors, il te fait, je sais plus, qui limite bien aussi. Jean-Pierre Pernaut, justement. Jean-Pierre Pernaut. Enfin, non, mais laisse tomber, il est excellent. Excellent. Ouais. Excellent. Il fait la voix de comment il s'appelle? De? Comment il s'appelle? Je suis en train de réfléchir. Mince. Comment ça s'appelle? Attention, peut-être que Pilo va trouver. Ça va me revenir. Attends, téléphone. Voilà.
son téléphone. Ah, ça m'est passé à la dans la tête il y a deux secondes. Je pourrais pas t'aider là-dessus, hein. Je sais bien. Morgan Freeman. Ah, voilà. D'accord, ok. Il imite la voix de Morgan Freeman en version française, hein. Ouais, ouais. Bon, alors là, mais là, tu... Je te jure, à tomber. Le mec... À tomber. C'est un... Il est excellent, excellent. En tout cas, moi, si un jour j'ai l'occasion de le croiser, je veux vraiment qu'il imite... Enfin, qu'il me fasse une dédicace avec la voix de... De Morgan Freeman. Ouais. Ou alors de... Oh, non, non, pas de Morgan Freeman, de Jean-Marie Le Pen, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qui fasse un petit JMLP. et puis voilà, un petit JMLP pour la fin de la vidéo. Ah bah écoutez, chers amis, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode, n'est-ce pas? N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, hein, comme d'habitude, n'est-ce pas? Pour contrer cette propagande socio-gaucho-narco-strotskiste, je dirais même. Pensez également aux commentaires et à vérifier votre abonnement. Sur ce, Inch'Allah, comme on dit chez nous, n'est-ce pas? Il est excellent. Mec, t'étais excellent. Je te jure, t'es excellent. Oh, c'était magique. Oh, bah écoute, je ferai pas l'outro du coup. Allez, salut. Salut à tous les amis.